Pure FM. Snooze sur Pure FM. Après Johnny, après bon nombre de grands Céline et de Dion. Grandes, c'est vrai. C'est Nicole Kidman qui s'installe chez nous, Sébastien. Et vous le savez parce qu'on en a déjà peut-être parlé, je ne sais plus si on en a parlé. On en avait parlé vite fait. Maintenant, c'est fait, on y est. Nicole Kidman s'installe donc chez nous pour 5 semaines. Mmh. Nicole Kidman qui tourne la vie de Grace Kelly, qui deviendra donc la princesse Grace de Monaco, la maman de la créatrice de... Comme un ouragan. Alors on voit vraiment pas où le réalisateur a vu Monaco à Bruxelles. Sauf peut-être, mais bon, je veux dire, c'est vrai qu'on ne connaît pas très très bien la déco du Parlement bruxellois, mais c'est le Parlement à l'intérieur du Parlement bruxellois qui va servir pour le bureau du prince Rainier. Et on devine que ça ne va pas être un paysager. Nicole Kidman est donc installée chez nous pour 5 semaines. On dit qu'elle n'est pas à l'hôtel. On dit peut-être ça pour brouiller les pistes. Pour ne pas que les fans, si elle en a, et les paparazzi, si on en a, ne fassent le tour des hôtels de luxe de la capitale. Il n'y en a pas 2000 non plus. Et à mon avis, un hôtel de luxe de Bruxelles, c'est pas assez de luxe pour Nicole Kidman. Donc on dit qu'elle est installée en fait dans une villa. Et c'est sûr qu'on n'allait pas la mettre. Bah oui, c'est ça donc le problème. Bruxelles, on sait pas où. Il y a Waterloo. Céline Dion était venue à Bruxelles. Ouais. Je me souviens qu'elle était. C'est une villa en tout cas. Et c'est vrai qu'on n'allait pas mettre Nicole Kidman, je sais pas, dans une chambre d'hôte dans les Ardennes, quoi. Vous imaginez Nicole Kidman le matin à table avec des couples de pensionnés randonneurs wallons. Pouvez-vous me passer le sirop d'érable, s'il vous plaît? Ah non, ça, madame, c'est le sirop de lierre. C'est le sirop de lierre, Nicole, s'il vous plaît. Alors. On va t'envoyer au Kazakhstan. Astana. On ne sait pas où elle habite, mais il y en a qui le savent, en fait, parce que... Ah bon? Oui, il y a des photographes qui louent des chambres chez l'habitant pour chez les voisins en fait, hein, pour pouvoir la choper dans sa villa. Donc il y a des voisins de la villa qui voient débarquer des photographes. Est-ce que je peux vous louer une petite chambre d'au-dessus pour pouvoir prendre des photos au cas où elle entre et elle sort de sa villa. Ah donc à mon avis les premières photos de Nicole Kidman, ou en tout cas de la villa, ce sera pour la semaine prochaine. Oh que nous sommes impatients. Merci Sébastien. Comme prévu, les Black Keys, Lonely Boy, de l'info, évidemment, du bon disque du jour à 7h55. Et Sébastien Ministru nous parlera aussi d'une BD qui fait polémique pour le moment. Rendez-vous à 8h20 sur Pure dans le close-up du jour. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. Purefm.be.